moi je suis convaincu que tous les députés socialistes sont conscients de cette réalité. À chacun d'entre eux d'être à la hauteur de la responsabilité. Il ne peut pas en être autrement. Quand on gouverne la France dans cette situation, dans ce contexte international, européen et national, il faut se hisser au niveau de la responsabilité qui est attendue par les Français. Nous avons ces dernières semaines, ces derniers jours, donné un spectacle de division. Il y a des événements qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui mettent en cause, évidemment, les comportements. Et bien face à cela, il faut tenir. Ce n'est pas quelque chose qui m'étonne. Ça étonnera personne. Je rappelle simplement tout le monde à la responsabilité politique. Nous ne sommes pas dans n'importe quel moment. Nous sommes dans un moment difficile du point de vue politique avec le retour de M. Sarkozy qui va être sur une ligne d'une rare violence sur le plan économique. Et le Front National tire à deux pas du pouvoir. Et nous sommes tout à fait conscients de la difficulté politique que traverse aujourd'hui l'exécutif et sa majorité avec lui. Pour autant, nous lui avons dit également qu'on ne pouvait pas imposer une unanimité de façade au groupe socialiste, qu'il y avait des propositions, que c'était son devoir de les entendre. On était 11 la première fois à ne pas accorder la confiance. Et je pense que ceux qui étaient déjà d'accord ou avaient déjà des critiques à formuler, mais qui ont voulu laisser une chance, sont aujourd'hui plutôt enclins à s'abstenir aussi.